wakati inakamilika. Tango ikuki pour la kimia au katia ikolo mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions des morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périssent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 morts. Des milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui suyés. Trop, c'est trop. Il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi Fueni, Tiba Diangubana, Wakati na Kamilika. Tango et Koki pour la Kimia au quartier Kolobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Longo na FARDC, la police, Bansol, Lisanga, Toteleme, Tolonga na Mapinga. Bendele Koyate. Congo. À la une de l'actualité, offensive contre les terroristes du M23 au Nord Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo accentuent les frappes sur le mouvement. Ce mardi, des frappes de l'armée ont ciblé les positions des terroristes à Tchanzu dans le groupement de Djomba et Musungati, utilisant des avions de chasse. Mobilisation contre le Rwanda et son mouvement du M23. Des grandes marches ont été organisées à Kinshasa par la DIPRO, Dynamique Progressiste et Révolutionnaire, mouvement politique, et à Kisangani à la Tchopo par les étudiants. Soutien au FARDC, au chef de l'État, dénonciation de l'agression rwandaise sont là les déclarations clés à retenir de ces deux grandes marches. Et en Égypte, dans la ville de Sharm el-Sheikh, la RDC, qui prend part active à la 27e conférence mondiale sur le climat, est représentée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. La vice-première ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable, y est également. À cette rencontre mondiale, la République démocratique du Congo a exposé sur sa position sur le changement climatique, surtout la nécessité de contraindre les pays pollueurs-payeurs. Nouvelle édition du journal sur votre télévision. Bienvenue à toutes et tous. On commence par les nouvelles de terrain sur l'offensive que mènent les forces armées de la République démocratique du Congo contre les terroristes du M23. Sachez que les FARDC ont bombardé des centaines de positions des protégés rwandais grâce aux avions de chasse et hélicoptères de combat. Sur le terrain, l'on signale une débandade de l'ennemi qui a perdu ses positions dans le Rutshuru. Dernière nouvelle, ils utiliseraient même la population comme bouclier. En réaction, le mouvement terroriste accuse l'armée loyaliste d'avoir ciblé
des zones habitées par les populations civiles. Dans un communiqué, ces terroristes se plaignent même du refus du gouvernement de dialoguer. Vous le savez très bien, côté gouvernement, l'on a refusé tout dialogue avec un mouvement terroriste, surtout si ce mouvement ne se retire pas de ses positions d'occupation. Récemment, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, l'a dit à la presse. Nous vous l'avions annoncé au sommaire de ce journal qu'il y a eu de grandes marches de protestation contre cette énième agression rwandaise via le M23. On commence par Kinshasa, où la DIPRO, Dynamique Progressiste Révolutionnaire Plateforme Politique, était donc dans la rue, dans la capitale congolaise, avec ses membres pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, dénoncer également la complicité de la communauté internationale qui, selon la DIPRO, ne fait pas assez pour s'opposer à cette énième agression rwandaise contre la RDC, avec son soutien qui n'est plus à démontrer des terroristes du M23. Suivez plutôt ce reportage de Jules Ninda et Fifi Kuchipo. Tout est parti de la gare centrale en commune de la Gombe, où des centaines des jeunes de la plateforme politique dynamique progressiste révolutionnaire, DIPRO en sigle, s'y sont réunis ce mardi 8 novembre 2022. Objectif, marcher pour soutenir les forces armées de la République au front dans l'est du pays et dénoncer la complicité des États-Unis d'Amérique. Habillés en tenue blanche, sous une intense pluie, les manifestants ont entamé leur marche en direction de l'ambassade des États-Unis. Peu avant cela, ils ont été interceptés par les éléments de la police qui les ont demandé de constituer une délégation de 50 personnes pour aller déposer leur mémorandum. Après de longues discussions, un compromis a été trouvé entre les deux parties. Devant l'ambassade des États-Unis, ses compatriotes congolais ont lancé un message. Au moment où nous vous parlons, une partie du territoire national est sous occupation étrangère. Et ces pays sont soutenus par les États-Unis. Ils se désolidarisent du Rwanda ainsi que de l'Ouganda. Pour que désormais cessent les massacres de l'Est. Que les troupes rwandaises qui passent par les M23 puissent se retirer de Rutshuru, de Bunagana, ainsi que d'autres territoires congolais. Faute de quoi, nous allons, nous, jeunes ici, nous enrôler dans l'armée et nous entrerons au Rwanda, nous annexerons le Rwanda comme une province de la République démocratique du Congo. Même scénario observé au quartier général de la MONUSCO, où une délégation a été reçue pour exprimer officiellement leur indignation. A signaler que des marches de soutien au FARDC sont organisées dans plusieurs coins du pays suite à la demande du chef de l'État à la mobilisation générale. Et en ville de Kisangani, en province de la Tchopo, ce sont les étudiants des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire qui sont descendus dans la rue pour manifester leur colère contre cette énième agression rwandaise via, on ne cesse de le dire, les terroristes du M23 dans une marche qui est partie du campus central en passant par la poste jusqu'au gouvernorat de province. Ils avaient avec eux notamment de calicot avec des mentions de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo également. Au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise. Regardez. Répondant à l'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les étudiants des établissements d'enseignement supérieur et université de Kisangani dans la Tchopo sont descendus dans la rue pour manifester leur colère contre la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Du campus central en passant par la poste jusqu'au gouvernorat de province, ces étudiants transportant des cercueils, des croix et des calicots sur lesquels on pouvait lire « Adieu les États-Unis, la France et Paul Kagame », chantant l'hymne national, symbole du patriotisme. «
Ces étudiants de Kisangani disent soutenir le chef de l'État et les forces armées congolaises pour bouter hors du territoire national ces rebelles et leurs alliés. Reportage de notre permanent dans la province de la Tchopo, Séraphin Toumilali, sur le commentaire de Rachel Massengo. On parle toujours de cette agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Le député national d'Eli Sesanga, président du parti Envol, est également monté au créneau et appelle au soutien à tous azimuts aux forces armées de la République démocratique du Congo pour vaincre l'ennemi qui trouble la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il l'a dit dès son retour d'un voyage à Paris depuis l'aéroport international de N'Djili. Regardez. Face à l'agression de son pays par l'armée rwandaise, Déli Sesanga se dit plus que jamais déterminé à apporter son soutien au FRDC pour venir à bout de l'ennemi. Il a fait cette déclaration à sa descente d'avion en provenance de Paris, en France. Accueilli par les cadres de sa formation politique, l'élu national et président du parti Envol a laissé entendre que le peuple congolais est déjà mobilisé depuis longtemps pour que l'intégrité territoriale soit respectée. Le peuple est mobilisé depuis longtemps pour que cette intégrité soit respectée, que l'indépendance nationale soit garantie dans ce pays. S'ils ont gardé quelque chose de positif, c'est que partout dans ce pays, les gens se sentent congolais. Malgré la défaillance de l'État, les gens ont maintenu ce sentiment national pour que le pays reste debout. Et donc il faut remercier ce peuple et continuer à être avec lui pour que la mobilisation, l'état d'esprit soit là, pour que le pays soit défendu dans son intégrité, que le soutien accordé au FRDC soit un soutien massif, comme nous l'avons fait d'ailleurs comme Envol à un certain moment, lorsque les événements ont pris une certaine intensité, et faire qu'aujourd'hui tout le pays soit comme un seul homme derrière ces FRDC que nous soutenons et que nous appuyons, pour qu'il puisse restaurer l'intégrité de notre pays territorial et l'indépendance nationale. C'est ce mercredi 9 novembre que le député national, élu de Luisa, dans le Kasaï, sera auditionné à l'Assemblée nationale par une commission spéciale sur l'affaire 21 000 $ américains que touche un député national congolais. L'actualité, vous le savez certainement, c'est également les travaux qui ont lieu dans la ville de Sharm el-Sheikh en Égypte sur la 27e conférence mondiale sur le climat. La République démocratique du Congo est représentée par le Premier ministre Jean-Michel Samaalou Kondé à la tête d'une forte délégation. Dans cette délégation se trouve également la vice-première ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable. Tous ont mis l'accent sur l'allocation des moyens financiers conséquents en faveur des pays non pollueurs. On retrouve encore une fois Bénédicte Ndembe. Représentant personnel du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la 27e conférence des parties sur le changement climatique, COP27, le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samaalou Kondé, a dans son speech réaffirmé la position de pays solution qu'occupe la RDC dans cette bataille planétaire contre le dérèglement climatique, en mettant tout son potentiel en ressources naturelles face aux gaz à effet de serre. Jean-Michel Samaalou Kondé a plaidé pour l'allocation des moyens financiers conséquents en faveur des pays non pollueurs et contributeurs à l'écosystème mondial. Mais nous voulons que, à travers cet apport, surtout avec les pays pollueurs, nous ayons ces échanges clairs sur ces questions de finances du climat, sur ces questions des dommages qui sont causés, de manière à ce que nous trouvions des solutions pour nos populations rurales. Une position bien défendue également par la vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable. La solution naturelle que nous recherchons, il s'agit du potentiel forestier que nous mettons à la disposition de l'humanité. Avec un fleuve qui a un débit puissant, capable de nous donner l'énergie hydroélectrique qui, la desserte, nous permettra de ne plus faire pression à la forêt que nous tenons absolument à préserver. Il nous faut une compensation, il nous faut de l'échange. Quelle est l'alternative pour que nous puissions nous adapter à la nouvelle culture
industrialisée sans pollution, il s'agit d'avoir accès au fonds d'adaptation. Au total, 40 000 participants sont présents à cette conférence mondiale sur le climat qui se tient à Sharm el-Cheikh, ville nichée entre le désert de la péninsule du Sinaï et la mer Rouge. L'RDC a délégué environ 300 participants, dont des officiels, experts, ONG, opérateurs économiques et professionnels des médias. Un autre représentant de la République démocratique du Congo à l'étranger, c'est le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaunga, qui prend part au niveau du Niger aux travaux du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation de l'Afrique. Tenir les ministres africains de l'Industrie qui prennent part à ces travaux, donc ont pris l'engagement de consolider leur politique industrielle agressive, surtout en boostant notamment l'industrialisation du continent noir lundi. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaunga, a présidé même une réunion à Niamey au Niger au sujet donc de ses travaux. Nous l'avions dit, du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation en Afrique. Obed Kambalé est dans la suite du ministre de l'Industrie. La mise en place des politiques industrielles agressives pour booster l'industrialisation du continent africain a été au centre de la réunion des ministres de l'Industrie et du Développement économique des pays membres de l'Union africaine, présidée hier lundi à Niamey au Niger par le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku Kaunga. À l'issue de cette réunion, plusieurs décisions ont été prises, dont la mobilisation des financements pour matérialiser cette industrialisation de l'Afrique, des décisions qui seront soumises à l'approbation des chefs d'État au cours du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique, prévue du 20 au 25 novembre prochain dans la capitale nigérienne. C'était également l'occasion pour le ministre congolais de l'Industrie de partager l'expérience de la République démocratique du Congo avec son plan directeur d'industrialisation et le processus d'installation d'une première usine de fabrication des précurseurs de batteries électriques. Il faut des politiques de substitution des importations par une politique industrielle agressive au niveau de chaque pays. Nous devons profiter des différentes opportunités, comme vous avez à le dire ici. Toutes les crises, toutes les guerres que nous connaissons, loin d'être seulement des menaces, elles devront également être considérées comme des opportunités pour nous pousser à booster nos politiques industrielles et ainsi nous inscrire en ordre utile comme pays émergent dans ce secteur. Et avant, l'écho de ces travaux a été donné par le Premier ministre du Niger, Mahamadou Oumoudou, qui a insisté sur la transformation locale des ressources naturelles avant toute exportation. Le sommet des chefs d'État qui se tiendra le 25 novembre prochain vise à souligner la détermination et l'engagement renouvelé de l'Afrique en faveur de l'industrialisation. Et puis, vous le savez, l'opération de l'identification et enregistrement des électeurs est prévue pour le mois de décembre par la Commission électorale nationale indépendante. Et pour ce faire, la CENI vient de former ses agents et cadres du niveau 1. Cette formation a duré une semaine et a été clôturée par le deuxième vice-président de la centrale électorale, Didi Manara. C'était en présence de quelques membres de la plénière de la CENI. Explication, Arlette Angoulême. Déterminée à organiser les élections dans le délai constitutionnel, la Commission électorale nationale indépendante vient d'outiller ses agents et cadres sur toutes les étapes de l'opération de révision du fichier électoral. Au total, 275 agents et cadres sont donc prêts à prendre en charge le niveau 2 de la formation qui va se dérouler dans les différents secrétariats exécutifs provinciaux sur toute l'étendue de la République. Clôturant les travaux au nom du président de la centrale électorale, le deuxième vice-président Didi Manara a rappelé l'objectif principal poursuivi par la CENI. Nous saluons pratiquement ce principe de subsidiarité des compétences opérationnelles que se dote la CENI en organisant de manière pyramidale toutes ces formations du sommet à la base. Il s'agit là vraiment des transferts de compétences et ces compétences sont à la fois techniques, administratives et même morales. Occasion pour le deuxième vice-président de la CENI de lancer un appel à toutes les parties prenantes au processus. Cette séquence de formation en cascade ira jusqu'à la base
Et la CENI, à travers votre plénière, est résolument engagée à respecter, que ce soit aussi sur le plan technique ou sur le plan logistique, pour que ces formations en cascade se passent en toute quiétude. D'autres membres de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante présents à cette cérémonie de clôture de formation ont chacun salué l'initiative de la centrale électorale et loué l'assiduité des participants durant la formation. De leur côté, les participants ont remercié le nouveau management de la CENI sous la direction de Denis Kadima pour avoir rendu possible cette formation de haut niveau. Et cette coopération entre la Tunisie et la République démocratique du Congo dans le secteur de la santé, tenait le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a procédé ce mardi à l'ouverture du premier salon tuniso-congolais de santé, des industries pharmaceutiques, de dispositifs et équipements médicaux. Durant deux jours, les participants vont à l'occasion sceller un partenariat de coopération durable entre la Tunisie et la République démocratique du Congo, le tout pour garantir donc les soins de qualité à la population. Lisette Kenga. Quatre jours durant, les ministres de la Santé et ceux en charge de la lutte contre le VIH-Sida des 12 États de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC vont faire le point des grandes maladies, épidémies et endémies qui sévissent dans la région SADC. Pour le premier jour, les hauts fonctionnaires des États membres de l'organisation ainsi que leurs experts ont démarré les travaux sous la présidence du secrétaire général congolais AI à la santé, Dr. Dodi Ilunga précise. Le chef de l'État et le président en exercice de la SADC. Et nous avons cette opportunité d'abriter ces assises chez nous. Et il s'agit de faire le point de grandes maladies, épidémies, endémies qui sévissent dans la région SADC. Et d'avoir une vision commune et ces réunions doivent aboucher sur des décisions qui vont être appliquées pour qu'on ait des résultats ensemble. Les recommandations qui seront issues de cette conférence régionale vont définir des nouveaux engagements stratégiques et perspectives pour l'intérêt et le bien-être de la population de la région. Notez que c'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, qui préside l'organisation en collaboration avec son homologue de l'intégration régionale sous la supervision du secrétaire de la SADC. Et puis, vous le savez, donc, la République démocratique du Congo assure la présidente tournante de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Et pour ce faire, le pays organise du 7 au 11 novembre la réunion annuelle conjointe des ministres de la Santé, des ministres chargés de lutte contre le VIH-Sida. Il est question pour ce faire, pour les participants, donc, de faire le point de la situation sanitaire dans leurs pays respectifs. Arlette Ngoba revient sur les détails de cette rencontre. Le premier salon tuniso-congolais de santé, des industries pharmaceutiques, des dispositifs et équipements médicaux et produits pharmaceutiques a ouvert ses portes ce mardi à Kinshasa. Ce salon, qui se tient du 8 au 10 novembre 2022, se veut le point de départ d'une coopération durable entre la RDC et la Tunisie dans le domaine de la santé. Pour l'ambassadeur tunisien en RDC, son pays se positionne comme une destination phare du tourisme médical grâce à ses compétences dans le domaine de la santé et du bien-être. Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat qui a ouvert solennellement ses assises, a salué la détermination du président Félix Tshisekedi Tshilombo en faisant de la santé de la population l'une de ses priorités. Pour le président du Sénat, cette activité est un cadre idéal pour les échanges de collaboration et de partage entre les opérateurs, décideurs et experts des deux pays en vue de répondre efficacement aux problèmes de la santé auxquels la République démocratique du Congo est confrontée depuis plusieurs années. Modeste Bahati a par la même occasion encouragé les Congolais à investir dans ce domaine vital. Je suis venu répondre à cette invitation de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur pour que nous puissions encourager ceux des Congolais qui voudraient en tout cas nouer de bonnes relations et développer les affaires et pourquoi pas organiser le tourisme médical, mais aussi implanter des industries pharmaceutiques ici, et c'est la volonté de la délégation qui est venue de la Tunisie.
Claudine Doucy, ministre congolais de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, est intervenue lors de l'ouverture de ce salon. La patronne de l'ETPS a recommandé aux participants de proposer une feuille de route pour garantir la continuité d'échanges afin d'amener les peuples congolais et tunisiens à en tirer profit et à contribuer à l'élargissement d'une protection sociale adéquate à tous les Africains. Signalons que plusieurs hommes d'affaires tunisiens du secteur de la santé prennent part à ces assises, des rencontres professionnelles B2B entre les principaux opérateurs économiques congolais et autres décideurs sont au programme de cette rencontre de 3 jours qui se déroule au Musée national. On va parler infrastructure avec cette rencontre entre le directeur général de l'Office de voirie et drainage OVD, Victor Tomba, qui a réuni les notables de Kindélé pour des explications techniques et claires sur le déroulement des travaux de réhabilitation de la route Kimwenza. Il fallait donc dissiper pour ce faire tout malentendu. Il était également donc question de permettre à ce que la population puisse donner son point de vue sur le déroulement de travaux. Était également présent à cette réunion le représentant du chef de l'État et du bureau technique, sans oublier ceux de l'entreprise chinoise qui a donc la charge d'exécuter ces travaux. Explication, John Zati. Autour de Victor Ntumba Tshikela, directeur général de l'Office des voiries et drainages, OVD, ce jour, les notables de Kindélé pour une réunion technique, en présence également des représentants du chef de l'État, du bureau technique et de l'entreprise SZC qui exécute les travaux de réhabilitation de la route Kimwenza. Cela fait déjà plusieurs années que cette route est en état de délabrement très avancé, avec des érosions et des éboulements. Alors que les travaux sont en cours, la population de Kindélé a manifesté son ras-le-bol suite à la lenteur, d'après elle, dans l'exécution de la réhabilitation de la route Kimwenza. Nous avons quand même rétabli la confiance et c'est sûr que d'ici demain, ils vont quand même reprendre le chemin de leur entreprise. Nous allons tous nous retrouver là-bas et nous en profitons aussi pour lancer un appel pathétique à tous les jeunes de Kindélé de mettre un peu d'eau dans leur vin. Et le maître d'œuvre, se sentant menacé, n'arrive plus sur le site. Voilà pourquoi le directeur général de l'OVD a réuni tout le monde ce jour pour aplanir les vues. On nous a montré toutes les échéances de décaissement. Nous avons compris que point n'est besoin d'être sorcier pour deviner que jusqu'à maintenant, rien n'est détourné. Et les travaux doivent se poursuivre jusqu'à la fin. Les notables ont vivement remercié le directeur général de l'OVD pour ce dialogue en famille qui a permis de dissiper tout malentendu. Cette réunion, ainsi convoquée et présidée par Victor Ntumba Tshikela, directeur général de l'Office des voiries et drainage, permet ainsi la reprise des travaux pour désenclaver Kindélé et Kimwenza. Plusieurs étudiants de l'université de Kinshasa y sont logés, surtout que le campus est fermé jusqu'à nouvel ordre. La 8e édition du Forum économique Makutano, on en parle encore. C'était du 24 au 27 octobre dernier. Vous le savez, les travaux ont été ouverts à Kinshasa, puis se sont clôturés à Mbujimayi en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu était donc le développement des territoires et l'appui au secteur privé en République démocratique du Congo. On revient sur les grandes lignes des résolutions avec Rachel Massengo. Du 24 au 27 octobre dernier, la 8e édition du Forum économique Makutano a réuni plusieurs personnalités de différents secteurs autour du thème « Infiniment territoire ». Les différentes interventions ont toutes eu un point commun, celui d'interpeller les différents acteurs à s'impliquer dans le développement du pays. Ouvrant ses assises, le Premier ministre Samalou Kondé s'est focalisé sur la présentation du programme de 145 territoires dont il est lui-même l'initiateur. Je crois que c'est important de mentionner le contexte dans lequel nous exécutons justement ce programme 145 territoires. L'action de l'État. Et c'est aussi une action qui est menée dans le sens d'une juste redistribution de nos richesses. Parce qu'il y a toujours eu un déficit de ce point de vue-là.
Une rencontre clôturée par le chef de l'État à Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental. Félix Tshisekedi a appelé à corriger les inégalités entre les villes et l'arrière-pays avant de rassurer le secteur privé de l'accompagnement de l'État pour l'émergence des entreprises locaux. Mesdames et messieurs, distingués invités, la 8e édition du Forum Makutano aura eu, entre autres mérites, de mettre en lumière le secteur privé congolais, de faire un diagnostic exhaustif sur les faiblesses du dit secteur et enfin de dégager des nouveaux paradigmes en vue de sa résilience. Je voudrais clore mon propos en rassurant le secteur privé que l'État congolais sera toujours à vos côtés pour vous accompagner. Le 8e forum Makutano a permis de mettre en lumière le secteur privé congolais, faire un diagnostic exhaustif sur les faiblesses et dégager les pistes de solutions. Et puis en international, vous l'avez certainement suivi à travers les médias, les Américains étaient aux urnes ce mardi pour les élections de mi-mandat. Les électeurs vont donc pour se faire renouveler la totalité des sièges de la Chambre de représentants, également un tiers des sièges du Sénat ainsi que certains postes des élus locaux. Plus d'explications dans cette démarche démocratique à l'américaine avec Amina Mouacha. Qui des démocrates ou des républicains auront le contrôle de la Chambre des représentants? C'est une journée décisive ce mardi. Les Américains sont aux urnes pour renouveler la totalité de la Chambre des représentants, un tiers du Sénat, ainsi que toute une série de postes d'élus locaux. Organisées 2 ans après la présidentielle de 2020, ces élections sont aussi un référendum pour l'occupant de la Maison Blanche, Joe Biden, et Donald Trump, qui pourrait bientôt annoncer sa candidature. L'ancien locataire de la Maison Blanche est bien conscient qu'une victoire des républicains pourrait lui offrir un tremplin idéal pour les élections de 2024. Bien avant, Joe Biden avait appelé les Américains à voter pour défendre la démocratie. Notez, le parti du président n'échappe que très rarement au vote sanction aux États-Unis. Comme les scrutins précédents, les élections de mi-mandat se jouent dans 6 États clés et l'équilibre de pouvoir au Sénat est très probablement défini par les vainqueurs dans l'État de la Pennsylvanie. Après une campagne acharnée et centrée sur l'inflation, les républicains se montrent de plus en plus confiants de leur chance de priver Joe Biden de sa majorité au Congrès. C'était l'essentiel de l'actualité sur Digital Congo. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et bonne suite de nos programmes. Bienvenue à la revue de presse de ce mardi 8 novembre 2022. Nous ouvrons cette revue de presse par la situation sécuritaire dans l'est du pays, marquée par cette panique qu'a connue le Rwanda après le survol d'un avion de chasse congolais. Il s'agit, écrit le journal L'Avenir, d'un vol sur le territoire rwandais. La RDC respecte l'intégrité territoriale de ses voisins. On peut lire « Vent de panique à Kigali hier lundi », s'exclame le journal. Il a fallu qu'un avion de type Sikwai 25 non armé survole malencontreusement l'espace aérien rwandais pour que Paul Kagame pique une sainte colère. Preuve que visiblement Kagame n'est pas prêt à avaler la pilule qu'il fait avaler à la République démocratique du Congo. Dans un communiqué parvenu aux médias publics ACP, cet avion effectuant des vols de reconnaissance dans la région de l'Est où l'armée congolaise contient des avantages
avancée de rebelles du mouvement du M23, soutenue en hommes et en matériel par les forces régulières rwandaises, le gouvernement de la République réaffirme de la même manière qu'elle tient à son intégrité territoriale, la République démocratique du Congo n'a jamais nourri l'intention de violer celle de ses voisins, lit-on dans le communiqué. La prospérité rappelle l'appel à la mobilisation générale lancé par Félix Tshisekedi. Pour le journal, le chef de l'État a fixé l'opinion sur la raison première de son discours de jeudi 3 novembre 2022, l'agression et l'occupation des territoires du Nord Kivu par le groupe terroriste M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda. Commencée le 13 juin par la cité de Bunagana, cette double action s'est poursuivie le 29 octobre dernier par les cités de Kiwanja et Rutshuru. Le même jour, le Conseil supérieur de la défense s'est réuni avec parmi les options levées le discours en question. Entre-temps, sur le terrain, le drame habituel s'est produit au travers de déplacements en masse de population, avec toutefois cette singularité notable. En dépit de toute les infortunes qu'ils subissent, les Congolais ne se dirigent plus vers le Rwanda. Ils n'accueillent plus en rien en libérateur les éléments de l'armée rwandaise, encore moins leurs supplétifs du M23. Toujours en rapport avec l'Est de la République démocratique du Congo, le tabloïd Forum des As annonce que Nouvel Élan appelle Kinshasa à quitter l'EAC et à expulser l'ambassadeur ougandais. Selon ses explications, nous exigeons l'expulsion pure et simple de l'ambassadeur ougandais parce que pour nous, l'Ouganda est égal au M23 et Museveni est égal à Kagame. Si ce régime veut réellement se prendre au sérieux, il doit également faire partir l'ambassadeur ougandais car il est purement établi que l'Ouganda joue le même jeu que le Rwanda, déclare le secrétaire général du Nouvel Élan. Dans un autre registre, la référence plus titre à sa une, aux travaux de la COP27, Samalou Kondé représente Félix Tshisekedi. On peut lire, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé représente le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo aux travaux de la 27e conférence de parties sur le changement climatique COP27 qui se sont ouverts le dimanche 6 novembre 2022 à Sharm el-Cheikh en Égypte. Arrivé lundi, aux petites heures du matin, le premier ministre est à la tête d'une forte délégation des membres du gouvernement de la République démocratique du Congo. Après la cérémonie d'ouverture de travaux, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé représente le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo aux travaux de la 27e conférence de parties sur le changement climatique COP27 qui se sont ouverts le dimanche 6 novembre 2022 à Sharm el-Cheikh en Égypte. Plus d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement prennent part à ces assises qui sont d'une importance capitale pour l'avenir du monde, notamment en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique et la transformation énergétique. Ils vont pouvoir renforcer leur engagement face à un réchauffement qui s'emballe de plus en plus. Ils vont également pouvoir apporter un soutien financier conséquent aux pays en développement qui en souffrent le plus. Après la cérémonie d'ouverture, le premier ministre Samalou Kondé a procédé à la visite de ses différents stands de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. Au revoir.